si le Cameroun représente aujourd'hui la moitié du PIB de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, c'est grâce à une politique de valorisation et de développement des divers domaines de son économie. De l'exploitation minière à l'industrie, de l'énergie aux télécommunications, de la filière agricole au tourisme. Les services, et en particulier le transport et la distribution, sont également promis à un fort développement. La croissance continue de cette économie en pleine diversification nécessite la réalisation sur la prochaine décennie de grands projets de modernisation des infrastructures, tant énergétiques que de transport ou de télécommunications. Bénéficiant d'institutions stables, de multiples ressources autant naturelles qu'humaines et d'une politique de développement ambitieuse, le Cameroun offre de nombreuses opportunités aux investisseurs étrangers désireux de tirer le meilleur parti d'un accès privilégié au continent africain. Première puissance économique de l'Afrique centrale francophone, le Cameroun occupe une position stratégique grâce à sa façade atlantique et ses frontières avec six grands pays. Il s'étire sur 1200 km du fond du golfe de Guinée au sud jusqu'aux rives du lac Tchad au nord. Accessible par la mer, les airs et la route, le Cameroun compte plusieurs ports dont les plus importants sont ceux de Douala et de Limbé sur l'océan Atlantique. Principal point d'entrée et de sortie du pays, le port de Douala assure 95% des échanges extérieurs. Pourtant, ses capacités d'accueil sont limitées par son faible tirant d'eau et des infrastructures encore en deçà des normes mondiales. Pour accroître ses capacités d'exportation, le gouvernement construit aujourd'hui à Kribi, tout au sud de la côte atlantique, un site portuaire et industriel en eau profonde, capable d'accueillir dès 2013 des navires d'une capacité de 100 000 tonnes. Futur port d'exportation de minerais, il comportera notamment une zone industrielle, des terminaux à conteneurs, ainsi qu'une centrale de liquéfaction de gaz et une usine de production d'aluminium. À environ 7 heures de vol des principales capitales européennes, le Cameroun est desservi par une vingtaine de compagnies européennes et africaines. Entrée en service en 2011, Cameroun Airlines Corporation, la nouvelle compagnie nationale, contribue à répondre aux besoins d'un trafic aérien en constante progression. Quant au transport terrestre, la modernisation et l'extension progressive du réseau routier s'est déjà traduite par le bitumage de 6000 km de route sur plus de 75 000. Un doublement de la longueur du réseau bitumé d'ici à 2025 est planifié pour absorber l'augmentation du volume d'activité du commerce et de l'industrie et désenclaver les villes secondaires du pays. Des axes routiers de qualité relieront ainsi le sud et le nord du pays, de Douala à N'Djamena, la capitale tchadienne, et de Douala à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. L'extension du réseau ferroviaire fait également partie de la politique de grand chantier du Cameroun. De nouveaux axes ferroviaires sont à l'étude, dont certains en connexion avec les projets miniers.
Cette dynamique de développement des infrastructures va créer d'excellentes opportunités d'investissement, en particulier dans l'agriculture, l'industrie et le secteur minier. Grâce à la variété de ses terroirs et climats, le Cameroun possède une agriculture puissante, diversifiée et tournée vers l'exportation. Elle occupe près de 75% de la population et génère 70% des recettes en devises du pays et présente un très fort potentiel de développement. Aujourd'hui, en effet, seulement 25% des terres arables disponibles sont cultivées. Le pays est néanmoins grand producteur de cacao, bois, latex, arachides, café, poivre, thé, coton, huile de palme, canne à sucre, oignons, riz, tabac, soja, sorgho, agrumes et bananes. Fier de son potentiel agricole, le gouvernement encourage les investisseurs à saisir les opportunités offertes par la forte demande du marché africain et mondial. Soucieux d'accroître les revenus des agriculteurs, le Cameroun s'attache par le biais de la recherche agronomique à développer des cultures à haut rendement, résistantes tant aux insectes qu'à la sécheresse. Cette recherche de productivité a une incidence bénéfique sur l'ensemble de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dont le Cameroun est un véritable grenier. Aujourd'hui, parmi les 8 produits qui dominent les exportations du pays, 6 sont d'origine agricole : coton, cacao, café, banane, caoutchouc et bois. Autre richesse majeure du sol, le bois. Il occupe la deuxième place parmi les exportations agricoles. Le gouvernement s'attache à encourager l'exploitation durable de ces 20 millions d'hectares de forêts primaires qui représentent le second massif forestier d'Afrique. Un massif riche de 80 essences tropicales différentes couvrant tous les usages, ébénisterie, construction ou des roulages. Aux côtés de l'agriculture, le bois représente une autre filière stratégique avec un tiers des devises entrant au Cameroun, ce qui en fait le troisième pourvoyeur de devises. En pleine croissance, grâce au développement de menuiseries industrielles, parqueterie et d'usines produisant des plaquages et contreplaqués, la filière bois compte parmi les meilleurs secteurs d'investissement au Cameroun. Alain, pour Camille, quelle est la tension sur ton électrobus à l'heure actuelle? L'énergie constitue pour tout État une clé du développement économique. Et de ce point de vue, le Cameroun peut offrir un retour sur investissement élevé. Le pays bénéficie en effet d'un potentiel hydroélectrique estimé à 20 000 MW pour une production actuelle d'un peu plus de 700 MW, complétée par des centrales thermiques au fioul ou au gaz. Les plans du gouvernement visent à tripler d'ici à 2020 la production d'électricité actuelle par la construction de plusieurs barrages et centrales électriques, dont la centrale à gaz naturel de Kribi. Gisement majeur d'énergie, le gaz naturel, dont les immenses réserves nouvellement découvertes sont estimées à plus de 150 milliards de mètres cubes, se voit promis à un bel avenir. Le gouvernement encourage également le développement de l'exploration pétrolière
en particulier dans le nord du pays et dans le bassin de Douala, où de nouveaux gisements viennent d'être découverts, portant les réserves estimées à 250 millions de barils, tandis que de nouvelles installations de raffinage viennent accroître les capacités de traitement de produits pétroliers. Une législation incitative pour les multinationales qui exploitent déjà des gisements de pétrole offshore à hauteur de 5 millions de tonnes par an a fait de l'or noir le premier produit d'exportation du Cameroun. Dans le domaine de la production et de la distribution d'eau potable, la compagnie Camwater exploite et renouvelle l'infrastructure existante. Un projet ambitieux concernant 50 agglomérations est en cours afin de porter à 50% en 2015 la desserte en eau potable qui concerne actuellement un tiers de la population camerounaise. L'industrie camerounaise se concentre aujourd'hui sur la transformation de deux de ses principales richesses, les minerais et les produits agricoles. L'industrie agroalimentaire représente aujourd'hui environ 50% du chiffre d'affaires de l'industrie camerounaise et autant d'opportunités d'investissement pour des entreprises étrangères. Elle se développe tout d'abord autour de produits semi-finis comme les boissons, les produits laitiers, les pâtes, les cigarettes ou l'huile de palme. Le Cameroun est l'un des principaux brasseurs d'Afrique. Les brasseries du Cameroun, grands producteurs de bière et de boissons gazeuses, comptent ainsi parmi les premiers groupes industriels de l'Afrique centrale. Culture de rente, la canne à sucre occupe de grandes exploitations agro-industrielles. Le coton ou les VA sont également la base d'une gamme de produits agricoles transformés comme les textiles, l'huile, les oléagineux ou le caoutchouc. De son côté, l'industrie métallurgique réalise les chiffres d'affaires les plus importants parmi les entreprises privées du Cameroun. C'est en particulier le cas de producteurs d'aluminium comme Alucam, qui prévoit de quadrupler sa production grâce à la construction d'une unité d'électrolyse sur le nouveau site industriel de Kribi. Le Cameroun a la chance de posséder un sous-sol riche d'une cinquantaine de minerais différents et encore largement inexploités. Celui-ci recèle toute une gamme de produits allant des métaux aux pierres précieuses, en passant par les matériaux de construction. Longtemps restés au stade de la prospection, les ressources minières font aujourd'hui l'objet d'une exploitation engagée dans la voie de l'industrialisation. La mise en exploitation de certains gisements, notamment de fer et de bauxite, présente déjà de fortes potentialités d'investissement. La production officielle d'or est de 200 kg par an. Encore artisanale, elle devrait atteindre 10 tonnes par an d'ici 5 ans. Face à une demande mondiale de matières premières qui galope, les minerais seront certainement une source d'investissement très prometteur, grâce notamment à un code minier qui laisse plus de liberté aux investissements privés. Le secteur minier constitue donc une des clés de la croissance camerounaise, comme en témoignent les nombreux projets destinés à être menés à bien au cours de la décennie. Le tourisme au Cameroun offre d'importantes opportunités de croissance, car le pays se caractérise par une grande diversité géographique, ethnique et culturelle. Parcourir le Cameroun, c'est découvrir tous les paysages africains. Forêts vierges tropicales, paysages volcaniques et cratères, lacs et chutes d'eau,
plage déserte de sable à cocotiers. Plantations diverses et collines verdoyantes. Le Cameroun, c'est toute l'Afrique en miniature. De la savane ou des paysages lunaires du nord, aux kilomètres de côtes sauvages luxuriantes du golfe de Guinée, en passant par le mont Cameroun, qui culmine à plus de 4000 mètres d'altitude. Le Cameroun est au cœur de la biodiversité. Soucieux de protéger cette nature généreuse, havre d'une faune et d'une flore extraordinairement variée, le gouvernement a créé dans chaque région de nombreux parcs nationaux et réserves d'animaux. Il a en outre engagé des actions visant à protéger la faune et à stopper le braconnage qui menace notamment éléphants, gorilles et grands singes. Au diapason de cette biodiversité, le pays offre une richesse culturelle exceptionnelle. Le Cameroun, c'est une véritable mosaïque de plus de 250 ethnies et pratiquement autant de langues locales et dialectes à côté du bilinguisme officiel français-anglais. Chaque groupe ethnique possède un fond culturel original qui contribue à la diversité non seulement des traditions culinaires, artisanales ou folkloriques, mais également à celle de l'habitat ou des us et coutumes. La musique et les fêtes traditionnelles, très différentes selon les régions, puisent leur inspiration dans la culture et l'imaginaire camerounais. Le Cameroun est l'un des plus brillants et des plus anciens foyers de l'art africain. L'artisanat est bien implanté dans les grandes villes et ne se rencontre plus seulement dans les parties rurales plus traditionnelles du pays. Malgré une forte progression depuis quelques années, le potentiel touristique du pays reste nettement sous-exploité. Aujourd'hui, avec moins de 600 000 touristes par an, le tourisme ne contribue que pour un peu plus de 2% au PIB camerounais. Le pays offre pourtant une grande diversité touristique. Tourisme balnéaire avec ses 400 km de côte. Tourisme culturel avec ses chefferies, sultanats, mosquées, églises et musées. Écotourisme et safari dans ses nombreux parcs nationaux ou ses réserves, où l'on croise l'ensemble de la faune africaine. Le parc hôtelier offre des capacités d'hébergement de standard international, mais son développement suppose la construction ou la classification de 130 hôtels par an. Aujourd'hui, l'État a l'ambition de dynamiser ce secteur et de promouvoir le tourisme d'affaires et de congrès, notamment à Yaoundé et Douala. Il y a donc encore beaucoup à faire pour des investisseurs à l'affût d'une rentabilité élevée. Toutes les ressources du Cameroun ne seraient rien sans un atout majeur, sa population. Une population jeune, la moitié d'entre elles a moins de 15 ans, et de mieux en mieux formée. Le Cameroun présente en effet avec 50% l'un des taux de scolarisation les plus élevés de la région.
Le gouvernement entreprend des efforts considérables dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'emploi des jeunes. Des écoles aux diplômes reconnus forment ainsi une main-d'œuvre qualifiée, capable de répondre aux besoins des entreprises modernes. En 2011, 150 000 étudiants fréquentaient les universités camerounaises. Au total, 80 établissements d'enseignement supérieur, dont l'ESSEC et Polytechnique, diplôment quelque 4 000 étudiants par an. Convaincu que l'avenir du pays dépend aussi de la bonne santé de la population, l'État camerounais a engagé depuis 1996 des actions fortes en vue d'améliorer la prise en charge des malades et de réduire sensiblement la mortalité maternelle et infantile. Construction et modernisation des infrastructures hospitalières, acquisition et maintenance des équipements médicaux de pointe, mise à niveau des plateaux techniques des hôpitaux, disponibilité des médicaments sont autant de chantiers qui font du secteur de la santé un secteur propice aux investissements. Le développement de l'économie camerounaise a requis la mise en place d'un système financier et boursier. Le secteur financier offre aujourd'hui de nombreuses opportunités de croissance, en particulier pour les établissements bancaires, qui sont encouragés par le gouvernement à financer l'économie, et notamment les PME-PMI, dont la création et le financement sont favorisés par une simplification des procédures. Le pays compte aujourd'hui 6 établissements financiers et 15 banques commerciales, parmi lesquelles la SGBC, filiale de la Société Générale, la Banque Internationale du Cameroun et la Afriland First Bank, qui détiennent ensemble plus de 75% des parts de marché national. La concurrence s'accroît et profite au financement de l'économie. Encore jeune, le Douala Stock Exchange, créé en 2006, participe au dynamisme du secteur financier. Avec 3 cotations par semaine en 2011, la place boursière vise à terme une cotation quotidienne. Autre secteur prometteur, l'immobilier. Avec un potentiel d'1 million de logements à construire, dont 800 000 pour les seules villes de Yaoundé et Douala, pour satisfaire la demande et résorber la crise du logement. Le secteur des télécommunications est également appelé à un fort développement, et tout particulièrement la téléphonie mobile, avec l'ouverture du marché à de nouveaux opérateurs annoncés pour 2015. Le potentiel de croissance des télécoms pourrait exploser avec le développement, en cours d'étude, d'un réseau de transmission à haut débit par fibre optique de 3200 km à travers le territoire. Avec un objectif de 5,5% de croissance par an, le Cameroun s'est engagé sur la voie d'une stratégie de développement ambitieuse. La valorisation de ses ressources naturelles et humaines, ainsi que la mise en œuvre de chantiers majeurs qui stimulent son économie, lui permettront de tripler son PIB à l'horizon 2035, faisant du Cameroun un véritable pays émergent. Des institutions et un pouvoir politique stable sont des conditions importantes pour tout investisseur. Le Cameroun offre cette stabilité politique et une diplomatie au service du développement qui sécurise les milieux économiques et touristiques, créant ainsi un environnement propice aux affaires.